comprendrez qu'il me sera très difficile de dire beaucoup de choses. Grâce à l'avènement du 5 septembre par son excellence le président Mamadi Doumbouya, la Guinée se trouve aujourd'hui sous une autre pluie, pluie de la liberté. Aujourd'hui, la Guinée est à l'heure de la réconciliation nationale, mais avant tout à la réconciliation de ceux qui ont dirigé et ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc, au nom de l'ensemble des anciens qui sont aujourd'hui à la retraite dans la deuxième section des armées, et au nom de ceux de la première section des forces armées, à savoir les chefs d'état-major, le chef d'état-major général, les chefs d'état-major, tous les officiers et tous les membres du CNRD. Nous sommes là pour vous demander l'impulsion du président de la République, Mamadi Doumbouya, de vous rapprocher, de raccrocher tout ce qui s'est passé et de revenir sur les dates d'avant le 22 décembre 1980, 2008. Vous étiez des amis, vous étiez des frères, vous communiquiez. Si votre amendement a eu lieu, c'est parce que vous vous compreniez. L'un était à Macenta, l'autre à Conakry. Mais vous vous êtes retrouvés devant l'ultime. Et vous avez eu l'admiration de l'ensemble du peuple de Guinée. Si le Satan s'est mêlé à la danse de la vérité, il a apporté son mensonge et cela a créé des dissensions entre vous. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle équipe qui est là, vous devez vous réconcilier, vous regarder en face, nous regarder en face, regarder cet auditoire en face. Et on dit, ça sont les journalistes qui le disent, et des philosophes, que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et voilà, l'éloquence est là, vous êtes assis à la tribune, à côté de vous, il y a vos trois épouses. Ce sont celles-là qui sont réellement le fondement de toute vie. Et elles vous ont accompagné dans le pire comme dans le meilleur. Donc, au nom de mes camarades qui m'ont délégué, qui sont assis là, de venir vous parler, je ne vous parlerai pas d'un langage mielleux, mais plutôt le langage de la vérité. Et vous savez, nous savons que vous êtes des hommes de vérité. Nous vous admirons. Nous avons toujours pensé à vous, et grâce au mouvement du 5 septembre, vous voici dans votre pays et à la tribune de votre pays. Donc, je vais, au nom de tout ce qui précède, je vais vous demander d'accepter, à côté de vos épouses, autour du président Mamadi Doumbouya et son épouse, de vous lever et de faire une accolade avant que le président ne prenne parole et vous dire tout ce qui s'est passé par le passé, c'est un passé. Aujourd'hui, ensemble, vous regardez vers l'avenir. Avec nous, nous regardons tous vers l'avenir. Encore une fois. Voilà ce qu'on attendait de vous, les enfants de la Guinée. Nous attendions de vous ce que nous avons vu, ce que vous venez de faire, grâce à l'avènement du président Mamadi Doumbouya. La
Merci et merci que Dieu nous protège tous.